Bonjour tout le monde, c'est Passion Artifice, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc, petite vidéo sur le scrim. Voilà, ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires. Donc, du coup, j'ai décidé. J'ai décidé de commencer par le scrim. Donc, beaucoup de réactions aussi. Ça parle de contrefaçon et tout ça. Donc, oui, je pense que c'est une imitation. Une imitation bien faite ou mal faite, on sait pas, on verra ça au test. En tout cas, je pense que les MDF ont voulu faire une sorte de scrim français. Donc dans le fond, ça part pas méchant, mais bon, après à voir. En attendant, le paquet, bah, il ressemble à ça. Voilà, c'est pas non plus vilain, ça va. Avec la belle petite tête de mort, enfin le masque qui va bien. Alors, pour les infos, alors, c'est du catégorie 2. Il y a 14 grammes 1 de matière active dans le paquet. Il y a 3 pièces, donc ça nous fait du 4,7. Distance de sécurité 8 mètres. Et c'est fabriqué en Autriche par Pyro Factory. Voilà. Donc je connais pas ces fabricants. Ça doit être des collaborateurs des magiciens du feu, je pense. Voilà. Par contre, le pétard, du coup, lui, il se présente comme ceci. Voilà. Et ben voilà, ça se décolle. Bon, ça c'est pas très très grave, mais bon, ça prouve un peu de la qualité. Voilà. Donc, je vais en prendre un autre. Alors, le pétard, lui, il ressemble à ça. Donc, ça reste un pétard classique qui ressemble au pétard étranger. Ça me fait un peu penser au Dom Dom, qui est à peu près de cette taille-là. Il est un peu plus gros celui-là. Voilà, peut-être même comme ça, on va dire. Voilà. Enfin, voilà, ça reste du classique. Donc, on verra ce qu'il vaut. J'espère qu'il va faire un joli bruit. En tout cas, vous, si vous pensez qu'il va faire un joli bruit ou alors un énorme effet, bah, lâchez un petit pouce bleu sur la vidéo. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Puis, bah, écoutez, on se retrouve juste après pour le test. Donc voilà, c'était le test du scrim. Donc franchement ça va. Je m'attendais à pire. Bon, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le vrai scrim. Mais franchement ça va. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.